Prélude, fugue et variation que nous venons de jouer était une œuvre que Gershon aimait profondément. Nous l'avons jouée chez lui, puisqu'il avait l'excellente et généreuse idée de réunir des amis musiciens dans leur belle maison et on pouvait jouer sur ce merveilleux Steinway. Grand queue de concert, c'est exceptionnel d'avoir un piano pareil pour un particulier chez soi. Et Gershon était un fou de musique, et il avait donc plaisir à ce que l'on joue dans les meilleures conditions. Nous l'avons bien connu, nous l'aimons profondément, et nous avons toujours été très reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour les musiciens. C'est très émouvant pour nous de jouer ce soir à sa mémoire. Et nous avions joué aussi chez lui les 6 épigraphes antiques que nous allons jouer maintenant. Gershon était quelqu'un de tout à fait exceptionnel sur le plan humain, sur le plan scientifique comme médecin bien évidemment. Et le contact qu'on avait avec lui, puisque je l'ai connu en tant que patient, était assez extraordinaire parce qu'on se sentait tout de suite mieux dans le simple fait de pouvoir lui parler. Il savait écouter, ce qui est la première qualité pour un thérapeute, je crois. Donc on se sentait déjà en grande partie guéri par son écoute et par son approche humaniste. Donc c'était vraiment quelqu'un de tout à fait exceptionnel sur ce plan-là. Et puis on sentait le grand musicien, il n'était pas exécutant lui-même, il le disait, mais il avait l'âme d'un artiste, l'âme d'un musicien. C'est assez rare, il y a tellement de musiciens qui n'ont pas cela. Ce sont des musiciens, ils jouent parfois même tout à fait remarquablement, mais ils n'ont pas ce que lui possédait. Et je crois qu'il le vivait à travers ses amis musiciens, puisque lui-même ne jouait pas, mais ses commentaires et son écoute, encore une fois, étaient tout à fait remarquables. Et ses commentaires étaient brillants et profonds. C'était un homme profond et qui avait énormément d'humour aussi. D'humour, d'amour, de profondeur. Nous l'aimons profondément. Je parle au présent parce que je ne crois pas du tout que nous mourions. Mais c'est tout à fait personnel. Je crois qu'il partageait cela aussi. On ne meurt pas. On passe ailleurs, mais on ne meurt pas. Le corps meurt, bien sûr, nous le savons. Mais la vie est éternelle. La musique nous le prouve chaque jour davantage. Voilà, ces quelques paroles improvisées et sincères pour Gershon. 6 épigraphes antiques de Claude Debussy. Thank you.
Thank you.